Gardienne de but, la numéro 31, Audrey Lepage. La numéro 5, Juliette Romano. La numéro 6, Rosemarie Saint-Yves. La numéro 12, Joanne Bourteau-Labatte. La numéro 14, Annabelle Leroux. La numéro 15, Jenny Lafrenière. La numéro 16, Logan Clément. La numéro 21, Yasmine Benmajout. La numéro 22, Noémie Diappelle. La numéro 24, Denvi Beaurivage. La numéro 29, Rosalie Boisvert. La numéro 37, Allison Hill. La numéro 44, Ariel Chandron. La numéro 47, Lily Blair. La numéro 58, Roselyne Cloutier. La numéro 71, Océane Gélina. La numéro 73, Abigail Saint-Louis. Et la numéro 88, Léa Barry. Sur le banc, Marc-Antoine Dion. Thérapeute du sport, Catherine Ouellette. Préparateur physique, kinésiologue, Philippe Lacroix. Préposé à l'équipement, Pierre Poirier. Entraîneur des gardiens, Nicolas Joyal. Entraîneur adjoint, Jean-Philippe Paquin. Et l'entraîneur-chef, Jean Rousseau. Maintenant, pour les voltigeurs du cégep de Drummondville, la numéro 6, Sarah Engel. La numéro 8, Florence Huppé. La numéro 9, la capitaine Maxime Godin. La numéro 10, Laurielle Trottier. La numéro 11, Alexandre Martel. La numéro 12, Annabelle Delorme. La numéro 14, Maggie Ruel. La numéro 16, Élodie Collin. La numéro 17, Mathilde Kehill. La numéro 18, Marie-William Prière. La numéro 19, Camélia Pazinet. La numéro 20, Marie-Jeanne Marcoux. La numéro 21, Laurence Landry. La numéro 22, Chloé Lausière. La numéro 23, Rosalie Duduc. La numéro 24, Alexandra Paul. La numéro 25, Elisabeth Boisvert. La numéro 27, Kellyanne Reason. Gardienne de but, la numéro 31, Alice Dashner. Et gardienne de but, la numéro 35, Océane Pellet. Sur le banc, gérante à l'équipement, Audrey-Anne Lefebvre-Turcotte. Thérapeute sportive, Ingrid Demers. Entraîneur adjoint, Sébastien Charpentier. Et l'entraîneur-chef, Éric Lanois.
Pour ce match de la finale, deux invités spéciaux sont avec nous pour procéder à la mise au jeu officielle. Ils seront disponibles durant le premier entracte pour des autographes et des photos près de la billetterie. Sans plus tarder, il est originaire de Drummondville. Comédien depuis 2014, vous le connaissez dans le rôle de Jules dans la télé-série L'Échappée et dans le rôle d'Olivier Gendron dans District 31. Avec pas moins de 30 rôles joués à la télévision et au cinéma, il fait partie du noyau de comédiens dans la nouvelle télésérie jeunesse Premier Trio, diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Ayant le rôle d'Émile, un comédien vedette de la série Premier Trio, applaudissez Mathieu Drouin! De Saint-Hyacinthe, elle a été l'actrice principale pour les publicités de Concerto en 2018 et de Rogers en 2017. Cette jeune comédienne a fait ses débuts à la télévision en 2022 dans la série jeunesse Premier Trio. Elle a fait plus de 45 jours de tournage pour la saison 1, terminant récemment plus de 50 jours de tournage pour la saison 2. Jouant le rôle de Chloé, elle est le personnage principal de la série jeunesse Premier Trio. Voici Constance Mongeard! Nous demandons au capitaine des deux équipes de bien vouloir s'avancer pour la mise au jeu officielle de ce match. S'il vous plaît, veuillez vous lever et enlever chapeau et casquette pour notre hymne national interprété par Mme Mylène Senneville. RSEQ ainsi que le cégep de Drummondville vous souhaite une excellente finale de la médaille d'or! We'll be right back.
Bonjour et bienvenue à cette grande finale du championnat provincial collégial d'hockey féminin Division 2. En direct du centre sportif Girardin, aujourd'hui le match mettant aux prises les deuxièmes au classement général, les Diablos du Cégep de Trois-Rivières face à l'équipe hôtesse, les Voltigeurs de Drummondville, championnes du calendrier régulier. Faisons un petit résumé de la journée d'hier, alors que les Voltigeurs affrontaient les Pionnières du Cégep de Rimouski en levée de rideau et ont remporté le match par la marque de 2-1, non sans peine, alors qu'elle avait remporté les trois derniers matchs face à ces mêmes Pionnières, 4-0, 9-1 et 4-0. Un but de Sarah NG à près de 6 minutes de la fin de la troisième période est venu briser l'égalité pour confirmer la victoire des Voltigeurs de Drummondville et leur place en finale. De l'autre côté, les Diablos du Cégep de Trois-Rivières ont disposé des filons du Cégep de Thetford par la marque de 3-0, un jeu blanc de la gardienne Anne-Marie Hubert. Alors qu'on s'affaire à terminer la période d'échauffement de 5 minutes. Nous saurons bientôt les alignements de départ des deux côtés. La troupe de Éric Langlois des Cégep de Drummondville a présenté une fiche de 20 victoires, 2 défaites et 2 défaites en surtemps, tandis que du côté de Trois-Rivières, l'entraîneur Jean Rousseau a mené son équipe à une fiche de 15 victoires, 8 défaites et une défaite en prolongation. L'alignement de départ pour les Diablos du Cégep de Trois-Rivières. La numéro 6, Rosemarie Saint-Yves. La numéro 15, Janie Lafrenière. La numéro 29, Rosalie Boisvert. La numéro 37, Allison Hill. La numéro 88, Léa Barry. Et gardienne de but, la numéro 1, Anne-Marie Loubert. L'alignement de départ pour les Voltigeurs du Cégep de Drummondville. La numéro 9, Maxime Collin. La numéro 10, Laurie-Ève Trottier. La numéro 12, Annabelle Delorme. La numéro 19, Camélia Bazinet. La numéro 27, Kellyanne Reason. Et gardienne de but, la numéro 35, Océane Pellet. Mesdames, messieurs, bon match! Donc, le duel de gardiennes cet après-midi du côté de Trois-Rivières, Anne-Marie Loubert, qui a présenté une fiche de 9 victoires, 5 défaites. Tandis que de l'autre côté, on change la stratégie utilisée hier. C'est Océane Pellet qui est lancée dans la mêlée. Océane qui a présenté une fiche remarquable de 11 victoires et seulement une défaite lors de la saison régulière. À surveiller, assurément, Léa Barry du côté de Trois-Rivières, championne pointeur des pointeuses de la saison régulière, ainsi que Laurie-Ève Trottier et Maxime Collin, respectivement troisième et deuxième. Bon match de la médaille d'or, mesdames et messieurs, c'est parti. C'est Saint-Yves là, qui s'affaire à reprendre la rondelle en fond de territoire. Delorme se dirige vers l'avant, Delorme pousse vers Reason. Reason envoie la pointe à Bazinet qui fend en l'air quelque peu. Et là, on s'amènera avec toute vitesse là, du côté de Hill. On manie autour de Trottier. Et c'est Lafrenière qui repoussera en fond de territoire. Delorme intervient. Et c'est Reason qui reprendra la rondelle. Reason envoie sur le côté de la rampe avec Trottier qui pousse pour sa capitaine Maxime Collin.
On la connaît très rapide. Tente une passe devant le filet. C'est intercepté là, par Beau Rivage. Brière, beau repli défensif de celle-ci. Là, on tente une passe là, du côté de Kehey, qui a malheureusement été intercepté. Là, on reprend en territoire drummondvillois. Paul, avec la rondelle, s'occupe de la sortie de zone elle-même. À Dubuc, une passe là, qui s'en va jusqu'au fond de la zone. On tente de dégager là, du côté de Trois-Rivières. Et c'est Kehey qui reprendra. Remise là, interceptée là, par Gélina. Et on recommencera là, en fond de zone des voltigeurs. Colin à Kehey. Confusion qui ira jusqu'à Boisvert. Qui remet à Colin. Échec avant là, de Gélina. Kehey tente une passe vers le centre à NG. Ça ne fonctionne pas. Passe vers le centre. Quel tir sur réception. Rondelle libre. Et l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Là, une poussée là, donnée par une joueuse de Trois-Rivières. Et il en était moins une. Là, on a senti Océane Bellil être surprise là, par la rondelle bondissante. Un peu de confusion là, derrière le filet qui a mené à ça. Là. Voici là, le lancer. La part de Clément qui a frappé là, au haut de la poitrine là, de Bellil. On reprend. C'est Ben Majoub en fond de territoire, la défenseur qui s'avance. Et là, tentative de dégagement réussie. Il faudra chasser les papillons là, du côté des voltigeurs. Là, on a une grande foule qui nous appuie. Et c'est clair qu'on est excité pour ce match. Lausière tente d'envoyer la rondelle en fond de territoire. C'est Ruel qui tentera d'appuyer. Et on prendra du côté de Lafrenière. On la connaît rapide, elle aussi. Ça mène en fond de territoire de Drummondvillois. Tente de remettre à sa coéquipière qui s'amenait avec elle. C'était Courteau-Lamotte. Lausière, un autre beau jeu défensif. Qui remet à Ruel et qui lancera de l'autre côté. Là. C'est Huppé là, qui part à la pourchasse là, de Lafrenière. Bazinet reprend près de la ligne rouge. Tente de remettre à Marcoux qui enverra en fond de territoire. On est derrière Loubert. Lafrenière avec une pression de Huppé. C'est les Diablos là, qui amorcent leur sortie de territoire. Blair envoie de l'autre côté à Courteau-Lamotte. Qui enverra derrière Bellil et on reprendra du côté des voltigeurs. Au Bazinet là, qui a quelque peu jonglé avec la rondelle sans trop de dommages. C'est Marcoux qui viendra appuyer là, l'échec avant. Trottier est là aussi du côté des voltigeurs. On tente un lancer de la ligne bleue de Bazinet, c'est bloqué. On dispute la rondelle. On est plusieurs. On était cinq joueurs. Et c'est Trottier qui reprendra. Trottier tente une passe vers Delorme. Utilise la rampe là, pour rejoindre Colin. Colin pour elle-même. En utilisant la rampe, elle aussi. Contourne le filet. Cherche à quelqu'un à qui passer. Remet à Reason. Reason avec un peu de pression là, de la part de Barry. On va la surveiller, celle-là. C'est Colin qui reprendra. La sœur de l'autre. On se dispute la rondelle là, dans le coin de la patinoire. On est cinq. On sortira là, les voltigeurs avec la rondelle. C'est Colin qui a passé à Reason. On apportera des changements là, pour la troupe d'Éric Langlois. Lafrenière. Il passe à Leroux. Il rejoint sa coéquipière, la numéro 24, Beau Rivage. Et là, on se dispute le disque. Là. Landry est là, Leroux, Beau Rivage. On va derrière le filet. Encore Beau Rivage avec la rondelle. De la pression là, de la part de Dubuc. Et on réussira presque à sortir. Intervention là, de Gélina. On devra recommencer à zéro là, du côté de Kehey. Landry. Landry
tente une passe là, pour Paul, mais c'est venu peut-être une seconde trop tard. La réception était trop difficile. Une chute là, du côté, je crois, de Ben Majoub. Et on sera chassé là, du côté de Drummondville pour obstruction. Avantage numérique, Liam Lowe, on fait du bruit! C'est Alexandra Paul qui a été prise en défaut. Mais on n'apprécie jamais, là, lorsqu'on est entraîneur, les pénalités à 200 pieds de son filet. Et voici. Donc, la pénalité au probablement sans vouloir, 24, comme geste là, du Alexandre côté de Paul. Paul. 2 minutes pour obstruction. Martel, à 5 minutes, la patinoire, envoie dans la ligne bleue. C'est Barry qui interviendra. Barry, un lancé, touche le poteau. Barry là, qui en a marqué plus d'un le but pendant la saison régulière. Et on reprendra là, en zone neutre puisque la rondelle a touché le poteau et est allée directement choir dans l'écran protecteur. C'est donc Barry face à Sarah NG à la mise en jeu. Il faudra surveiller là, cette confrontation là, tout le match. Ben Majoub, une passe au centre. C'est NG qui intervient. Prend un lancé, ça passe à la droite de Loubert. Et on se réorganisera là, du côté des Diablos. Une autre passe interceptée par Chloé Lausière. Et Barry là, qui effectue un jeu dangereux, mais poursuit avec le disque. Ça mène en zone Drummondvilloise. Tente un tir avec un angle restreint. Conserve encore, elle, la rondelle. Hill vient l'appuyer. Et la rondelle sortira. Et c'est NG là, qui filera à toute vitesse. Elle est en fin de présence, là, par contre. Là. Donc, tente d'envoyer vers le filet. C'est Brière qui reprendra. Brière, bon jeu défensif là, de rejeter tout derrière le filet. On forcera les Diablos à se réorganiser. Gélina. Excellent jeu de Huppé là, avec le deuxième effort en plongeant. Lafrenière tente un lancer. C'est bloqué devant. C'est Gélina là, qui tente de lancer. Coupe vers l'enclave. Prend un lancer. C'est bloqué par Brière. Et c'est Lafrenière qui reprendra. Lafrenière là, avec Huppé qui l'embêtait. Et c'est Brière qui a bloqué ce lancer-là. Et c'est Delorme qui tentera là, de dégager son territoire. Ça fonctionne, là, mais pour une très, très courte durée, là, on est déjà de retour là, en zone de Drummondvilloise. Pénalité terminée. On a quand même bien négocié le tout. Pas de grandes chances de marquer, là, à l'exception du poteau là, de Léa Barry. On se réorganise là, du côté des Diablos. Une passe transversale là, qui est coupée à la dernière seconde par, je crois, Lauriev Trottier. Là, c'est Camilla Bazinet là, qui dégagera là, à l'autre bout. Et ce sera refusé au voltigeur. Excellent début de match pour le Cégep de Trois-Rivières. On a gagné quelque peu de momentum avec cette pénalité là, décernée à Alexandra Paul. Ce sera Martel pour les voltigeurs face à Courteau-Lamotte. Lancé là, de la ligne bleue là, de la part de Cloutier, c'est Cueil qui reprendra derrière. Élodie Collin, une passe au centre à Marcoux. Envoie en fond de territoire et on mettra de la pression là, du côté des voltigeurs. C'est Romano là, qui fait circuler le long de la rampe. Courteau-Lamotte. Et c'est Élodie Collin qui reprendra là, du côté des voltigeurs. Martel. La met à Huppé. Prend un lancer. C'est bloqué par Cloutier. C'est Marcoux qui reprendra en fond de territoire. Marcoux pressé là, par Gélina. Belle feinte un peu malgré elle pour Courteau-Lamotte et envoie en fond de territoire et laissera sa coéquipière Beau Rivage là, appliquer de la pression en zone offensive. Dubuc à Paul.
Paul remet pour elle-même en utilisant la rampe. Applique les freins, tente un lancer. Et un premier vrai lancer là, du côté des voltigeurs. Capté sans retour, sans laisser de retour là, du côté de Loubert. Elle qui n'a toujours pas accordé de but dans ce championnat. C'est remporté là, par Gélina face à Paul. On se dispute la rondelle là, dans le coin de la rampe. Dubuc avait quelque peu égaré là, la rondelle des yeux. C'est Paul qui remet dans le coin. Subit une légère mise en échec. C'est Lafrenière qui repousse. Et on sortira du territoire là, pour les Diablos. Le dégagement sera refusé. Là, on n'avait pas franchi la ligne rouge. On est presque à mi-chemin là, dans cette première période. 10 minutes 36 à faire. On donne un maximum d'énergie aux deux équipes sur la glace. On fait du bruit! NG face à Gendron. C'est Gendron qui remporte ce duel. On tente de s'organiser là, du côté des Diablos. Landry se fait subtiliser le disque. Clausière à Boisvert. Sarah NG là, qui se voit quelque peu pousser. L'entrée de zone un peu brouillonne là, de la part des voltigeurs qui se transforment en hors-jeu. C'est signalé par l'officiel. On aperçoit Hill, là, un excellent complément à Léa Barry. Ces deux-là sont une grande raison des succès des Diablos cette année. Donc c'est Bazinet qui intercepte le dégagement, envoie en fond de territoire et Loubert ne veut pas aller plus loin, immobilise le disque et demande l'arrêt de jeu. Les enjeux à la droite de Loubert. Ce sera Reason face à Barry. On les verra souvent à l'opposé, ces deux-là aujourd'hui. Un tir qui est dévié là, par Maxime Collin et qui aurait pu donner du fil de retard à Loubert là, si ça s'était rendu jusqu'au filet. Trottier tente de ramener rapidement, fend l'air. Collin envoie Reason. Il y avait une joueuse des Diablos près. Et Delorme là, va poursuivre. Et quel geste dangereux là, ici. Là. On n'aime pas voir ça. On est content de voir Trottier se relever. On fait du bruit! C'est Lafrenière qui sera chassée pour son geste face à Trottier. À quelques pieds de la rampe, là, toujours dangereux. Avantage numérique, voltigeur. Et là, c'est tout de suite les Diablos là, qui mettent la pression. On s'amène très près. La rondelle était très près de rentrer, mais Gélina intervient. Et on est arrivé avec beaucoup de vitesse là, du côté de Saint-Louis là, au filet. Enjeux remportés par les voltigeurs. Reason, derrière son filet, tente d'organiser les siennes. Collin entre en zone ennemie. S'amène dans le coin de la patinoire. Remet à Trottier, qui tente de remettre à Collin. Ça passe par-dessus son bâton. Là, c'est Bazinet qui est avec Collin dans le coin de la patinoire pour tenter de récupérer 10. Delorme passe de l'autre côté. Lancé frappé et c'est bloqué là, par Bazinet. Et c'était Trottier là, qui a voulu prendre le retour et diriger cette rondelle au filet. Mais Loubert est encore intraitable.
Dubuc face à Barry. Dans cette deuxième vague d'avantage numérique, 1 minute 11 à faire à la punition. Paul dirigeait le tout vers le filet. Ça a été dévié très haut dans les airs et c'est Boisvert qui reprendra. Boisvert à Ruel. Tente de couper vers le filet. Lance. Un autre arrêt d'Anne-Marie Loubert. Encore une fois, on reprendra à la droite d'Anne-Marie Loubert, Dubuc face à Barry. On chassera Barry de la mise en jeu. C'est Courteau Lamotte qui a pris sa place. Ben Majoub intervient, tente de dégager. Intervention de Élodie Collin. Envoie de l'autre côté à Paul. À Dubuc. Prend un lancer où ça rate considérablement à la gauche. Et là, ça se transformera en 2-1. Barry avec Hill. Hill, le tir. Oh, frappe l'extérieur du filet. Bélil était battu. C'est Hill toujours avec la rondelle. Il se fait agressive là, sur Paul. Encore une fois, un repli défensif. Et c'était peut-être un peu trop d'agressivité. Et pénalité décernée à Allison Hill. Et là, ce sera 5-3 pour 4 secondes. Donc, le temps de la mise en jeu. Donc, on voit ici le repli défensif qui était excellent là, de la part d'Allison Hill. Mais le coup de bâton à la fin était trop et on fait trébucher la joueuse des Voltigeurs. Avantage numérique, Drummondville. Mise en jeu remportée par les Diablos. Wiesel tente d'intervenir. Et là, encore une fois, en début d'avantage numérique, là, on réussit à se diriger jusqu'à la gardienne Bélil qui est forcée d'immobiliser le disque. Et on forcera une mise en jeu en zone drummondvilloise. Reason qui remporte la mise en jeu et c'est Collin là, qui s'amènera tout de suite à toute vitesse là, avec Trottier. Trottier devant le but, encore une fois en tombant, va frapper l'extérieur du filet avec son lancer. Delorme intervient pour prévenir le dégagement. Encore une fois, cette même Delorme, mais là, on réussira à sortir du territoire là, grâce à Lafrenière. Lafrenière qui tente de lancer, ça dévie très haut. On devra se réorganiser là, du côté des Voltigeurs. Il y a une mauvaise passe qui passe par-dessus la palette de Ruel. Et c'est les Diablos qui prennent possession de la rondelle. Bazinet tente une passe devant filet, ça dévie. C'est Paul qui reprendra. Belle agilité sur patin ici. Il prend un lancer d'un angle restreint, c'est bloqué. Et c'est Paul qui reprend tout de suite la rondelle. Boisvert amène la rondelle en fond de territoire. Boisvert tourne sur elle-même. Remet à Dubuc. Et c'est Ruel là, qui s'est précipité pour aller chercher la rondelle. Collin à la ligne bleue. Une feinte de Paul. On coupe vers l'enclave à Dubuc. Un lancer. Quelque peu sautillant, c'est Ruel et Boisvert qui reprendront. Ils passent devant le filet à Dubuc. Et un dégagement là, du côté des Diablos. 10 secondes à faire à cet avantage numérique. Dubuc s'amène en zone de Trois-Rivières, tente un lancer. C'est bloqué là, par la chute de Ben Majoub. La pénalité est terminée. Deux occasions ratées, là, coup sur coup, du côté des Voltigeurs. On devra s'en rappeler. Lausière derrière le filet. S'amène avec le 10, remet à sa coéquipière Huppé. C'est Martel là, qui assure les arrières suite à la montée de Lausière. C'est elle qui a la rondelle en ce moment. Tente de remettre vers Huppé, c'est intercepté par Coutier. Martel avec la rondelle, remet à Lausière.
Et là, c'est Marcoux qui amassera l'attaque des siens, envoie en fond de territoire. Marcoux qui défiait Gendron. C'est Saint-Yves là, qui envoie un peu loin et ça se transformera en dégagement refusé. On vous invite à venir rencontrer Constance Manger et Mathieu Drouin, comédien de la série Premier Trio. Et vous attendront tout près de la billetterie et des salles de bain. 4 minutes 36 à faire en cette première période. Trottier face à Barry. C'est remporté par Trottier. Delorme tente un tir. Doit intervenir encore une fois contre la rampe. Envoie pour Colin. Colin toujours se fait utiliser le disque là, par son adversaire. C'est Bazinet qui interviendra de l'autre côté. Lafrenière envoie à Romano. Passe interceptée par Delorme qui passe à Colin qui tente de se démarquer. Frappe l'extérieur du filet. Romano derrière. Il n'a pas réussi à faire traverser la rondelle de l'autre côté, mais c'est Delorme qui reprend. Delorme à Trottier qui assurait la montée. Et là, un geste à la limite là, du côté de Delorme sur Barry qui a fait une chute. Et on a soulevé là, la frustration du côté des partisans des Diablos. Vazinet tente de dégager son territoire. Et c'est Leroux. Leroux qui envoie derrière le filet. On revient à la ligne bleue. Ben Majoub amène devant le filet à la pointe. Il a bloqué là, du côté de Ruel. Et bon jeu défensif qui se transforme en une montée offensive. Tentative de feinte. Ben Majoub ne bronche pas. Un contact assez sévère entre les deux. C'est de l'intensité. On est en finale de la médaille d'or, donc l'émotion est là. Passe devant le filet. Un peu retenu d'un côté, mais on était dans la légalité. Et c'est Kay qui reprendra en zone défensive. Kay avec la pression là, de Saint-Louis. Saint-Louis envoie à Boisvert. Boisvert à MG, auteur du but gagnant hier en demi-finale. Kay tente d'intervenir. Pour la belle feinte là, de la part de Brière, mais qui ne fonctionne pas tout de suite après. C'est Paul là, qui entrera le disque là, en zone ennemie. Paul, un lancé, ça passe à la gauche là, de Loubert. Lozière intervient à la ligne bleue, envoie à Brière. Brière tente de couper au centre, c'est Lafrenière qui redirigera là, pour balayer le devant là, du filet des siennes. Dispute pour la rondelle derrière. C'est Riopel là, qui envoie à Courteau-Lamotte. Courteau-Lamotte là, qui envoie à Blair. Deux contre un, bien négocié de la part de Landry. Un peu moins de deux minutes à faire en cette première période. C'est Romano là, qui tente de renvoyer en fond de territoire, mais ça dévie au banc des voltigeurs et le jeu s'arrêtera. Perçoit Sébastien Charpentier. Donc, si vous le demandez, oui, l'ancien gardien de notamment des Capitals de Washington. Trottier face à Barry. C'est remporté par les voltigeurs. Delorme, avec un lancer frappé, le fait circuler jusqu'à Reason. On ne réussira pas à sortir là, du territoire. C'est Barry qui reprend. Tente un lancer, là, ça passe considérablement à la gauche là, de Bélil et une passe là, qui ne trouve pas preneur et qui se transforme en dégagement refusé. On aperçoit l'entraîneur Jean Rousseau qui a mené son équipe à une fiche de 15 victoires, 8 défaites et une défaite en surtemps. Fiche très satisfaisante probablement pour l'entraîneur. Les enjeux à la gauche de Bélil qui ne fait pas de gagnante. C'est Boisvert qui reprend le disque. Boisvert tente de diriger le tout vers Hill, mais c'est intercepté. C'est Delorme qui reprendra derrière le filet. Tente une passe soulevée vers son ailière. Et c'est Trottier qui interviendra. Et là,
On réclame là, du côté d'Éric Langevoix une punition pour obstruction là, sur Lauriev Trottier, mais malheureusement, ça ne vient pas. Colin à Trottier. Je fais subtiliser le disque. Là, c'est Ben Majoub qui remet à Hill. Hill qui se fait enlever la rondelle et c'est NG là, qui reprendra le tout pouce pour elle-même. Et Elodie Colin là, vient capter la rondelle du gant et repousse du côté des Diablos. Ruel, autant une passe, c'est raté de beaucoup vers QL. Chute là, de la joueuse des Diablos. Là, c'est Sarah NG qui amorcera l'attaque des siens. Là, 11 secondes à faire, on devra faire vite. On échappe la rondelle, on la récupère, on lance. Ça passe à la gauche de Loubert. Ben Majoub en fond de territoire. Tente de couler les dernières secondes. Et voilà! C'est ce qui termine cette première période du bon hockey des deux côtés. Une première moitié majoritairement dominée par Trois-Rivières et une deuxième moitié par les Voltigeurs. 0 à 0 la marche. Après 20, on se retrouve donc de l'autre côté de l'entracte pour la couverture de cette deuxième période. Finale, médaille d'or, collégiale, division 2.
de cette deuxième période de cette finale médaille d'or du championnat provincial collégial, donc féminin division 2. Une première période avec beaucoup de beaux jeux, beaucoup d'action, mais sans but. Les gardiennes Loubert et Bellil ont été intraitables en arrêtant tous les lancers dirigés vers elles. Il y a quelques plus de confusion là, pour envoyer. Envoyer les premières joueuses sur la patinoire. Donc, on est prêt. On est prêt à commencer. Bonne deuxième période à tous. Lausière est la première à toucher à se renvoyer dans cette deuxième période. Lausière. Encore une aile. On met sur le bord de la rampe. Intervention de Gélina. C'est Landry qui tente de diriger vers Brière et on se rendra jusqu'en zone des Diablos. C'est intercepté là, par Paul qui sera chassé pour son geste. Pénalité à retardement. Donc une autre pénalité pour Alexandra Paul à 200 pieds de son filet. On est puni pour coup à la tête. Est-ce que ce sera 4 minutes? Non, c'est 2 minutes. Avantage numérique. Diablo, Paris face à NG. Les enjeux rapportés par les Diablos. Le tir, on donne le retour là, du côté de Paris, mais on s'amènera à 3 contre 1, 2 contre 1. Sarah NG s'amène vers le filet, tir et forcera la mise en jeu en territoire tripluvien. Belle percée là, de Sarah NG là, qui dispute un autre bon match. Delorme à la ligne bleue, envoie en fond de territoire. Pression de Martel là, face à Ben Majoub. Et là, c'est NG qui viendra appliquer de la pression à son tour et on sortira de la zone. Maintenant, on est dans celle de Drummondville, Boisvert. On voit la pointe. Et là, c'était Boisvert qui tentait une passe devant le filet. Une passe qui rate et ça se transforme en dégagement. Et là, on effectue des changements complets. Là, jamais facile en deuxième période alors que le banc est loin. Et là, beau jeu de Maxime Collin qui empêche l'entrée de territoire de ses adversaires et les forcera à se réorganiser derrière leur filet. Une passe là, vers Cloutier qui remet vers Barry. Barry, une première feinte. Landry l'arrête. Et c'est Trottier qui reprendra, tente une passe pour elle-même. C'est Lafrenière qui intervient. Landry dégage et oh! Maxime Collin va s'échapper! Maxime Collin ne peut tirer. C'est Trottier là, qui a présentement la rondelle sur le côté de la patinoire. C'est Barry qui reprendra. Intervention de Trottier, beau repli défensif. Et encore un beau geste là, qui forcera Barry à échapper la rondelle. Et la rondelle sortira là, par la porte d'entrée. On connaît les marques de politesse. Excellent travail là, des voltigeurs en ce désavantage numérique en début de période. C'est Ruel là, qui sera à la mise en jeu face à Riopel. C'est remporté par Ruel. Et c'est Kay qui reprendra avec un dégagement. Et on écoulera là, les dernières secondes de ce désavantage numérique. Là, un sans faute là, du côté de Drummondville. Et voilà, Alexandra Paul est de retour. Intervention de Ruel avec après une déviation de Sarah NG. Et là, on fait dévier la rondelle sur la baie vitrée. Là, ça aurait pu sortir. Et là, on se dispute la rondelle. On est quatre.
Deux chandails blancs, deux chandails marines. Sarah NG qui envoie contre la rampe. Et on pousse pour elle-même là, pour du côté de Boisvert. Là, ça aurait pu être dangereux. Là, on avait une coéquipière là, de l'autre côté qui était prête à aller en 2 contre 0 avec elle. L'entrée de territoire là, qui est interrompue. Là. Et c'est Courteau-Lamotte qui remet à Blair. Blair s'amène dans zone adverse et remet sagement là, derrière le filet Cueil qui remet à Ruel. Intervention là, de son adversaire Romano. Et là, jeu dangereux là, du côté de Cueil. Ce sera Delorme là, qui tentera de faire le dégagement et ça réussit. Est-ce que ce sera refusé? Non, c'est accepté par les juges de ligne. Boisvert qui applique de la pression. C'est Saint-Louis qui a tenté de dégager son territoire. Gendron est là aussi. Delorme envoie de l'autre côté à Bazinet. C'est Huppé qui enverra en zone ennemie. Romano qui en fait rouler 10, un autre mauvais bond. Là, on en a vu un semblable hier, là, près de la porte de la resurfaceuse. C'est Saint-Louis là, qui tente. Et là, les Diablos là, qui s'amenaient dangereusement proche du filet. Le Romano qui intervient à la ligne bleue. Delorme applique de la pression, doit faire attention pour ne pas retenir son adversaire. Là. C'est Saint-Louis dans le coin de la patinoire. C'est Gendron là, qui a tenté de garder la rondelle là, sans succès. Bazinet envoie le tout vers Marcoux, Huppé. Et c'est Ben Majoub qui reprendra de l'autre côté. Boisvert vers Lafrenière qui envoie jusqu'à Bélisle. Elle intervient là, derrière le filet. C'est Delorme là, qui est première sur le disque. Et là, une passe au centre à Barry. Et là, elle jongle un peu avec le disque. Là, c'était pas commode. On devra faire attention. Là, c'est Trottier là, qui appliquait de la pression. Et là, deux vilaines chutes là, de Delorme et Lafrenière. Je crois que c'est accidentel. Et là, c'est Trottier qui reprendra et s'amènera là, face à Lafrenière qui effectue un beau jeu défensif. Trottier doit faire attention. Et la dernière joueuse de son équipe. Et voilà. C'est Lozère qui intervient. Encore un beau jeu défensif là, de sa part. C'est Bazinet qui reprendra derrière son filet. Bazinet envoie le tout contre la rampe. C'est Trottier qui tente de remettre pour elle-même, elle aussi, de la même façon. Et là, Barry ne réussit pas à maîtriser la rondelle là, dans ses patins. On applique des changements là, du côté des voltigeurs. Ben Majoub doit faire attention, il était très près de son filet. Qui a remis à Lafrenière. Et là, c'est l'intervention de Dubuc. Dubuc s'amène profondément en zone ennemie. Intervention encore une fois de Lafrenière qui joue un fort match. Dubuc dans le coin. Ben Majoub là, qui reprend. Envoie là, de l'autre côté. Là, je crois que c'est Barry. Et oui, Barry qui s'amène avec Hill. Barry face à Landry. Et un autre beau jeu défensif là, de Landry. Brière qui est intervenu. Et Paul, avec l'appui de Paul, là, on va sortir et entrer en zone trifluvienne. C'est Dubuc qui perd la rondelle. Et tout de suite, de l'autre côté, là, Gélina là, arrivera à toute vitesse là, en zone Drummondvilloise. Intervention là, de la défenseur Cloutier. Il y a un dégagement là, qui se rendra jusqu'à la ligne bleue. Des Diablos. 12 minutes 57 à faire en cette deuxième période. On est presque à mi-chemin dans le match. Toujours aucun but. Lozière pour chasser là, par un adversaire. C'était Leroux. Lozière envoie de l'autre côté de la patinoire. Et c'est Sarah Ng qui sera la première à appliquer de la pression pour son camp. Ruel est là. Et c'est Courteau-Lamotte qui sort avec la rondelle. Quelque peu défié, renvoie de l'autre côté là, pour Beau Rivage. C'est Gélina qui reprendra. Gélina à Courteau-Lamotte. Envoie jusqu'à Cueil qui tente de rejoindre Ruel. Ça ne fonctionne pas. Et c'est Sarah Ng qui enverra tout au fond derrière le filet.
de Loubert. Courteau-Lamotte traverse la ligne rouge. Ça met en zone ennemie, tente un lancer, là, quelque peu embêté par Martel. Et là, une belle sortie de zone avec une chute là, d'une joueuse de Trois-Rivières. Et Marcoux s'amènera en échappée. Le tir, l'arrêt de Loubert. Et là, il y avait une joueuse blessée là, de l'autre côté. Pendant tout ce temps, et a réussi à retraiter au banc des siennes. Là, il y a hors-jeu à retardement. Et voilà, c'est signalé contact accidentel là, entre Riopel et Marcoux. On verra dans la séquence là, l'excellente sortie de zone. Marcoux qui a battu de vitesse Romano. Il a décoché un bon lancer, mais on se semble être le jour de la marmotte, alors que c'est un autre arrêt de Loubert. Delorme envoie en territoire ennemi. C'est Trottier là, qui sera première sur la rondelle. Trottier pour chasser par Romano. En tente d'envoyer devant le filet, là, ça ira jusqu'à Bazinet là, à la ligne bleue. Rejette en fond de territoire. On réussira à sortir la rondelle là, du côté de Clément. C'est Delorme qui est première sur le disque. Delorme là, tentera de calmer le jeu. Et on verra, est-ce qu'on réussira à s'échapper du côté de Colin? Non. Cloutier veillait au grain. Belle pression là, du côté de Clément. C'est Trottier qui reprendra là, derrière. Vers Colin qui tentera de dégager son territoire. Elle réussit. C'est Cloutier qui reprendra en zone défensive. Envoie vers Romano. Il tente de pousser vers Saint-Louis. Et là, c'est Colin là, qui doit attendre. C'est Colin. Elle devait tenter d'attendre là, que Colin change et malheureusement, elle n'a pas attendu assez longtemps. On signale le hors-jeu. Un peu compliqué, là. Lorsqu'on est en deuxième période, cette dynamique des changements. On s'est fait prendre, là, cette fois-ci. Mise en jeu en zone neutre. C'est Paul là, qui tente de pousser pour elle-même. Saint-Yves intervient. C'est Lausière là, qui reprendra la rondelle. Envoi pour Paul. Paul rebrousse chemin. Lausière intervient. C'est Dubuc qui tente une passe, là, mais ça trouve la palette de Barry. Barry s'amène 1-2, remet à sa coéquipière. Ça ne fonctionne pas. Et là, c'est Brière là, qui fera son entrée en zone ennemie. Brière qui se fait soutirer le disque là, par Boisvert. Pression de Barry sur Lausière. Et là, c'est Boisvert là, qui viendra mettre de la pression sur Kay, mais qui rebroussera chemin. Tentative de passe à NG qui fonctionne non sans difficulté. C'est Ruel qui fait son entrée en zone trifluvienne. On tente une passe là, vers NG qui fait une chute. On a tenté un tir là, en tombant. Une passe devant le filet qui ne trouve pas preneur. Et c'est Leroux qui prendra la rondelle. Est avec Hill, Leroux. Ça mène face à Colin. Tir, arrêt facile là, du côté de Belle-Île. On tente une sortie de zone. Rondelle touchée au vol là, par Leroux. C'est Boisvert qui tente de diriger vers NG. NG prend un tir et ça passe un peu au-dessus là, de la cage de Loubert. Colin rebrousse chemin, envoie la rondelle à sa partenaire QA qui tente de rejoindre Ruel, mais ça ne fonctionne pas, ça y va jusqu'à Romano. Gina tentait de rejoindre Beau-Rivage. Et là, Colin tente d'envoyer en zone ennemie. Ruel à son tour. Là, on est beaucoup sur la patinoire. On rouspète là, du côté des partisans de Trois-Rivières, avec raison. Et là, mise en nez. Semblant de double échec du côté de Boisvert. Il fait savoir à son adversaire qu'elle a peut-être bien vendu le geste. Peu importe, le résultat est le même et ce sera avantage numérique là, Trois-Rivières.
voit la séquence ici. Sortie de zone là, de la part de Trois-Rivières. Avantage numérique. Gendron est là. Barry prêt à lancer à la pointe. Et tout de suite, c'est un dégagement complété par Delorme. Ça ira jusqu'à Loubert, qui laissera la rondelle à Ben Majoub. On remet à Boisvert. Boisvert qui lance en faisant circuler le disque le long de la rampe. C'est Gendron qui reprend Gendron à Ben Majoub. Ben Majoub remet à Barry. Barry décoche un lancer. Ça passe considérablement là, à la gauche de Bélil. Ben Majoub tente de conserver le disque là, en zone ennemie. C'est Boisvert. Une passe à Ben Majoub. À Gendron qui remet à Boisvert. À Gendron. Quelques maniements de rondelles. Un tir de Boisvert là, qui passe à la droite de Bélil. C'est Hill là, qui applique la pression. Delorme là, effectue du bon travail alors qu'elle est seule. Encore Hill. À Gendron. À Ben Majoub qui tire. Bloqué par Trottier. Et elle s'échappera malgré non sans peine. Trottier toute seule. Et quel arrêt de Loubert, le but! Compté par Laurière Trottier! Elle a saisi son propre retour! Et Loubert n'y pouvait rien alors qu'elle avait fait le premier arrêt. Le toit a levé ici au Centre sportif Jardin. On voit la séquence. Belle fin de la part de Trottier. Ça ne réussit pas, mais le retour trouve le fond du filet. Et c'est 1 à 0 les Voltigeurs. Il y a une pénalité qui sera décernée à Ariel Gendron. Elle qui... Je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions, mais qui a fracassé son bâton là, à la suite du but de ses adversaires. Donc, autre avantage numérique des Voltigeurs. On pourrait faire payer cher cette indiscipline du côté des Diablos. Mais on effectue du bon travail là, du côté de Beau-Rivage. On tente de s'en défaire là, du côté de Sarah NG. Une passe là, interceptée par Cloutier, Landry. Une passe qui ne trouve pas preneur. On devra recommencer là, du côté de Landry. Passe à Reason. À Sarah NG. NG tente une passe vers sa coéquipière Dubuc, là, mais c'est dévié par... une joueuse des Diablos, Colin, envoie jusqu'à Trottier. Trottier essuie tout un coup de bâton là, de la part de Gélina. Trottier toujours là, remonte au haut des cercles. Vraiment, elle a dit Colin, oh, c'était risqué. Là. Il y avait Beau-Rivage qui était très près. Et là, c'est Maxime Colin. Tente une passe et le but! Quelle passe de Maxime Colin! Et c'est Mégui Ruel qui en ajoute. Oh, est-ce que ça fait mal, cette pénalité du côté des Diablos? Quelle passe de Maxime Colin! Ah, il n'a pas fini deuxième meilleur pointeur de la saison régulière pour rien. Et on demandera un temps d'arrêt là, du côté de Jean Rousseau, entraîneur là, des Diablos du Cégep de Trois-Rivières.
On veut assurément calmer les esprits. On ne joue pas du mauvais hockey, là, mais c'est de l'indiscipline là, qui vient faire mal là, à ce moment-ci du match, alors qu'il reste 5 minutes 21 à faire à cette deuxième période. Et là, on voit Éric Langlois là, qui semble demander de l'intensité et de la rigueur là, à ses joueuses. On apercevait là, Anne-Marie Hubert qui n'a rien à se reprocher là, dans les deux buts qu'elle a accordés. Là. Un lancer sur réception parfait et un retour de lancer en échappé. Donc on confirme le but là, marqué par Maggie Ruel. C'est Trottier et Colin qui récoltent des passes sur ce deuxième but des Voltigeurs. Marcoux pousse pour elle-même. On s'amènera là en zone de Trois-Rivières. Huppé qui était devant le filet vient appuyer sa coéquipière. La rondelle fait peu de mouvement. Cloutier est là, là du côté de Trois-Rivières, fait une chute. Là, c'est sa coéquipière, là, Riopel, qui fait une chute à son tour. C'est Romano qui reprendra. Romano envoie à Clément. À Lozière. Lozière qui intervient. Barry vient appuyer. Là, c'est Landry qui reprendra. Pour une réception de disque là, quelque peu compliquée qui permet au Diablo de continuer l'attaque. C'est Boisvert qui a tenté de remettre en fond de territoire, mais ça sort et c'est Saint-Yves là, qui fait une passe soulevée vers Barry. Barry saisit 10, tente de couper vers l'enclave. Un tir et quel arrêt là, de Bélisle. Ça faisait longtemps là, qu'on avait eu une chance de marquer du côté de Trois-Rivières. Et là, oh, deux mises en échec coup sur coup. Ça joue dur. Là. Boisvert à Barry. Tente de remettre devant. Ça va derrière le filet. Landry tente un dégagement. Ça ira tout au bout. C'est Colin qui tente d'aller chercher 10, défie Lafrenière. C'est Barry qui reprendra là, en coin de patinoire. Remet à Lafrenière. On tentera de s'organiser là, pour essayer de réduire l'écart là, du côté des Diablos. Boisvert envoie contre la rampe. C'est Trottier qui retourne en fond de territoire. Ruel hein, sort de là avec la rondelle. Défié là, par son adversaire Saint-Yves. Et c'est Trois-Rivières qui reprendra le 10. Et la rondelle se transforme en souvenir. On reprendra en zone neutre. À 0, les Voltigeurs. 2 minutes 47 à faire en cette deuxième période. Gélina face à NG à la mise en jeu. C'est remporté facilement par Gélina. Cloutier tente d'envoyer le disque en zone neutre. Réussit enfin. Ça ira jusqu'à Delorme à Bazinet. Bazinet là, il suit un coup de bâton là, de la part de Ben Majoub. C'est Ruel qui tente de remettre vers le filet. Ça ne fonctionne pas et on reprendra de l'autre côté. C'est Leroux. Bazinet reprendra là, derrière la ligne des buts. On intervient là, du côté de la défenseur des Diablos. Là, c'est Brière qui appliquait de la pression. Ben Majoub, belle feinte. Seul de son camp, par contre. Là, une chute. Son bâton reste un quelque peu pris dans la bande. Là, c'est Brière. Brière tente de pousser pour elle-même. Ça ne fonctionne pas. Et là, c'est Delorme là, qui enverra tout au fond. Loubert touche au 10. C'est Romano qui envoie vers Saint-Louis. Gélina envoie
à Romano qui tente de rejoindre Beaurivage. Beaurivage envoie sur la rampe. C'est Cueil qui interviendra. Chute. Personne ne rouspète. On est dans la légalité. C'est Paul qui a la rondelle. Tente une sortie de zone pour son équipe. C'est Cueil qui intervient. On passera de l'autre côté. Oh, belle passe à Dubuc. Dubuc qui envoie en zone ennemie. 52 secondes à faire. On est dans la dernière minute de jeu. Dubuc en coin de patinoire. Et là, c'est Lafrenière qui reprendra. Lafrenière avec un lancer du revers qui ira jusqu'au centre de la patinoire et c'est Lozière qui reprendra. On doit faire attention au bâton là, qui traîne sur la glace. C'est Gélina tente de lancer. Chute. Clément, pardon. Là, c'est... On tente un lancer du côté de Lozière. Là, une rare personne française du côté. C'est Colin là, qui était seul devant Loubert. Aurait pu marquer un but qui aurait fait très mal là, à 10 secondes de la fin de la deuxième. Et Lozière récupère le 10 après sa belle montée. C'est Landry qui récupère et viendra écouler les dernières secondes. Alors que Courteau-Lamotte mettait de la pression. On aperçoit Océane Bénil qui n'a toujours pas cédé dans ce match. N'a pas été grandement sollicité là, dans cette deuxième période. Reçoit les encouragements là, de ses coéquipières. On doit être heureux de notre situation là, du côté des Voltigeurs. À 3, les tirs en faveur des Voltigeurs en cette deuxième période. 2-0. Le cégep de Drummondville mène. On vous revient. We'll be right back.
je suis de retour, mais pas... Il grêle. Tabarouette, moi, je suis allé courir un matin. Il pleuvait, mais il grêlait pas. J'ai couru à la grêle, ça m'est passé. On va... Le supplice des gens qui nous écoutent va bientôt arrêter. Hey, c'est plate parce que c'est le but de la fin de semaine. Ah, c'est une petite passe de la capitaine là, de l'autre bord, jusqu'à l'autre bord. Puis l'autre, là, la passe, elle s'en venait. Là, ça aurait été facile de passer un peu dans le bord et de dire « Hey, la passe, elle s'en venait vite. » Mais non, c'est top net. Donc, quand ça va embarquer sur la glace, je vais être prêt. Bienvenue à la couverture de cette grande finale du championnat québécois d'hockey féminin collégial Division 2. Les Voltigeurs qui ont pris une avance de 2 buts grâce à 2 buts rapides. Les deux en avantage numérique là, de la part de Laurie-Ève Trottier et Maxime Collin. Certains diraient qui d'autre? Alors qu'elles ont fini respectivement là, 3e et 2e là, du championnat des pointeurs derrière leur adversaire, Léa Barry. On est à 20 minutes d'un championnat ici là, du côté des Voltigeurs. Une excellente 3e période est à prévoir. Bonne fin de match, mesdames et messieurs. C'est Léa Barry qui gagne la mise en jeu et qui remet à Lafrenière, qui envoie à Hill. Bazinet intervient. Vazinet le long de la rampe, c'est maintenant Reason qui avait la rondelle. Colin applique la pression à Saint-Yves. Envoie devant le filet, c'est Barry qui intervient. Barry tente de remettre à Hill qui dévie là, la rondelle en fond de territoire. Bien négocié de la part de Bazinet. Là on fera circuler le 10 et Barry de l'autre côté en premier. Quelque peu pressé là, par Colin. C'est Delorme qui fera un lob bien réalisé. Et on apportera des changements là, pour la troupe d'Éric Langlois. Lafrenière à Saint-Yves, à Leroux. Lausière tente d'intervenir. C'est Trottier qui reprendra et qui changera aussitôt. Landry tente une passe... Quelque peu intercepté par Leroux, mais c'est Paul qui reprendra. Paul, lancé. Ça passe à la droite de Loubert. Paul qui a certainement quelque chose à se faire pardonner alors qu'elle a pris 2 mauvaises pénalités aujourd'hui. Dubuc à Landry. Un tir qui s'en va derrière le filet et un lancé là. Par-dessus la cage de Dubuc. Et c'est Lausière qui intervient, tente d'envoyer devant le filet. Et c'est Boisvert, là, du côté des Diablos, là, qui dégagera. Landry reprend derrière son filet. Oh, quelle manœuvre! Oh là là! Ça a suscité l'excitation dans la foule. Boisvert tente d'envoyer le disque en zone trifluvienne. Boisvert applique les freins, tente une passe, c'est coupé là, par Beau-Rivage. Boisvert envoie à NG au centre de la zone défensive. C'est Saint-Louis qui reprendra, mais cause un revirement et envoie à Boisvert qui tente d'envoyer devant le filet. C'est Riopelle qui reprendra, tente une passe là, vers Beau-Rivage, ça ne fonctionnera pas. Et c'est Colin qui renverra là, en zone de Trois-Rivières, mais le disque devient un souvenir. Et... sort de la patinoire, prendra en zone neutre. Le 3-1-6-3-0-4-9. Veuillez réclamer votre prix à la billetterie près du
enjeux. Martel face à Clément. C'est Cloutier là, qui envoie en territoire Drummondvillois. Colin, première sur le disque. Quelque peu pressé là, par son adversaire. Qui était Blair à ce moment-ci. Et là, c'est Clément qui tentera là, de retourner en fond de territoire. Colin intervient. Passe de l'autre côté à QA. Passe contre la rampe. Intervention de la défenseur. QA qui tente de sortir le disque elle-même. Et là, on conserve le disque en fond de territoire. C'était Clément. Huppé applique la pression, mais Ben Majoub intervient. Et là, dit Colin, tente une passe vers Huppé. C'est Ben Majoub encore qui transmet la rondelle à Cloutier. Lancé qui rate la cible. C'est Clément là, face à Martel. On est débordé là, du côté des Voltigeurs. C'est Courteau-Lamotte qui remet à Ben Majoub un lancé. Bélisle ne peut maîtriser. Et là, c'est Martel qui tentera de dégager son territoire. Et là, enfin, la rondelle sort. Là. On pourra apporter des changements du côté des Voltigeurs, mais Huppé là, ne réussit pas à mettre assez de pression là, pour garder la rondelle en zone neutre assez longtemps. Et c'est Ben Majoub qui reprendra. Le Trottier là, est sur... applique la pression. Là, c'est Colin qui reprendra. Envoie vers Reason. Il file à toute vitesse. Là, Lafrenière qui a tenté. Et là, c'est toute une passe et on fend l'air là, devant le but. Une autre passe devant le but. Delorme prend un lancer. Ça dévie sur deux jambières. C'est Courteau-Lamotte là, qui fera une passe soulevée là, à l'autre bout de la patinoire. Et c'est Bazinet qui reprendra. Bazinet se fait enlever le 10 là, par Lafrenière qui avait fait toute une chute là, quelques secondes plus tôt. Romano remet à Lafrenière. Tente une passe en plein sens, c'est intercepté par Delorme qui remettra en fond de territoire jusqu'à Trottier. Trottier essuie un double échec là, de la part de Lafrenière. Ne peut garder le 10 là, en zone ennemie, c'est Hill là, qui s'en occupera. Bazinet joue un fort match là. Camélia Bazinet aujourd'hui. Brière remet à Paul. La passe est un peu imprécise et doit aller la chercher en fond de territoire. Applique les freins. Revient à la ligne bleue. Cherche une coéquipière à qui donner le 10. Elle choisit Lausière. Le tir est quelque peu bloqué. Et c'est encore cette Lausière là, qui interviendra. 4 contre 1. Une passe et le but! Compté par Alexandra Paul. On l'avait dit auparavant, elle en avait à se faire pardonner à la suite de ces deux pénalités coûteuses. Et voilà. Et voilà, on voit le 4 contre 1. Lausière qui transmet à Paul, qui en fait juste assez pour rediriger au fond du filet. Encore une fois, là, Lausière là, qui se dirige vers l'avant, elle qui est plus une défenseur défensive. Et Paul, là, brillamment, envoie le tout au fond du filet. Et c'est 3 à 0, les Voltigeurs. Donc, Cloutier envoie à Boisvert, ça ne fonctionne pas. Et c'est Saint-Yves qui reprendra de son côté. Leroux tente d'envoyer en fond de zone ennemie. On tente un lancer, ça passe derrière le filet. C'est Lodi Collin là, qui tente de négocier avec son adversaire. Il y a une passe qui est soulevée, qui était bondissante. Ça aurait pu être dangereux. Là, on flirtait avec l'enclave. Boisvert remet à Collin. Remet de l'autre côté à Queil qui laisse circuler derrière elle et on devra recommencer. Sarah NG qui intervient. Et là, Ducolin tente de dégager son territoire. La rondelle fait peu de mouvement. On se rend jusqu'à la ligne bleue. C'est Sarah NG là, qui est seule de son camp pour le moment face à deux défenseurs de Trois-Rivières. Rebrousse chemin. Tente de laisser le temps à ses coéquipières de venir la rejoindre. Et là, une chute là, de Reason.
On réclame une pénalité là, du côté de la foule Drummondvilloise. Là, ça ne viendra pas. Là, c'est Trottier qui intercepte le dégagement. Reason dans le coin de la patinoire. Fait une chute, tente de remettre à Trottier. Ça ne fonctionne pas. C'est intercepté par Saint-Louis. Bazinet envoie profondément en zone ennemie. Ce sera Saint-Yves là, qui amorcera la montée des siens. Une passe vive là, que son ailier ne peut saisir. Trottier sera première sur la rondelle. Dans le coin de la patinoire, tente de remettre pour elle-même. La rondelle fait peu de mouvement. Un lancer là, qui passe à la gauche de Loubert. Delorme à Bazinet. Rondelle là, qui va derrière le filet. Ce sera repris par Dubuc. Dubuc se départit de son adversaire. Ça va à Bazinet qui tente un lancer. Ça se rend jusqu'à Loubert. Et on était au retour là, pour les voltigeurs. On apporte des changements des deux côtés. Ce sera Paul face à Barry. On devrait voir Barry là, assez souvent d'ici la fin du match. Là, on tentera le tout pour le tout là, pour tenter de combler l'écart. Là, et avec trois buts à remonter, là, ça prendra les gros canons des Diablos. Et c'est justement cette Barry qui reprend la rondelle. Landry intervient à la ligne bleue et Leroux tente de reprendre la rondelle, envoie pour Barry, ça ne fonctionne pas. Lozière remet à Martel, se fait soutirer le 10 là, par Barry et arrivera à 1 contre 1 là, face à Landry. Et Landry là, qui effectue un autre beau jeu défensif sur Barry. Là. Elle aura vraiment laissé sa signature sur le match là, en neutralisant la meilleure attaquante là, du côté des Diablos. Elle a hors-jeu à retardement. On doit revenir là, en zone neutre là, du côté des Voltigeurs. Ben Majoub, autant un geste plutôt osé, ça réussit et ça mène en zone adverse. Applique les freins, continue son chemin maintenant. Et c'est Gendron qui voulait intervenir. Marcoux tente de dégager son territoire. C'est Ben Majoub là, qui est là, remet à Hill qui prend un lancer, bloqué par Huppé. Et là, c'est Marcoux qui réussit enfin à dégager son territoire. 10 minutes 35 à faire en cette troisième période. Une chute, là. Et là, un geste qu'on réclame une pénalité là, du côté des partisans de Drummondville. Là, un lancer et là, un double échec dans le dos. Et là, la pénalité sera signalée. On a poussé un peu notre chance là, du côté des Diablos. Et c'est vraiment une mauvaise pénalité. C'est Ben Majoub là, qui est chassé pour son double échec. Et là, les Voltigeurs pourraient faire très mal à Trois-Rivières en marquant lors de cet avantage numérique. Trottier tente d'amener vers le filet, reprend son retour. C'était Maxime Collin, ça passe par-dessus la cage. Là, c'est Saint-Yves qui tentera de dégager son territoire et elle réussit là, avec un lancer du revers. C'est Delorme là, qui reprendra dans sa zone. Remet à Trottier. Trottier, avec la vitesse qu'on lui connaît, là, ça mène en zone offensive. Trottier tente une passe. C'est transformé en tir. Et tout de suite, là, on tente de dégager du côté des Diablos, mais ça ne réussit pas. C'est Delorme qui intervient. Delorme passe à Collin. Tente un tir-passe, ça passe à la gauche du filet de Loubert. Un autre dégagement bloqué, cette fois-ci, c'est Reason. On remet à Delorme qui tente, prend un lancer, c'est bloqué devant. Collin. Collin toujours cherche à quelqu'un à qui passer la rondelle. On apporte un changement là, au côté de la défensive. Et un tir de Trottier. Oh, c'était puissant. Ça passe par-dessus
la cage, là, Hubert était battu. C'est Colin là, qui se porte profondément en offensive. Elle qui joue davantage du jeu défensif habituellement. Et là, on est plusieurs là, adversaires à se disputer la rondelle. Et c'est Ruel là, qui remettra à Dubuc. Dubuc à Colin qui tente une passe vers le centre. Ça colle à Dubuc qui tente un là. Oui, c'est frappé au vol par Ruel. Ça aurait fait les jeux de la semaine, ça aussi. Et là, couché sur la rondelle du côté de Lafrenière et on force l'arrêt du jeu. 8 minutes 37 à faire à cette troisième période, 20 secondes à la pénalité de Yasmine Benmajoub. Mise en jeu à la gauche de Loubert. C'est Ruel qui laisse le disque à Lozière, qui envoie à Paul. Paul se dirige vers la ligne bleue. Lozière remet à Colin qui prend un lancer. C'est arrêté par Loubert. Retour. Oh, et Paul fend l'air. Lancé de Lozière qui ne réussit pas. Et un tir là, de Dubuc qui passe tout près là, de la cage de Loubert. Un autre dégagement annulé là, par Ruel. On tente de chercher quelqu'un à qui passer du côté de Dubuc. Ça passe tout droit. Et là, on joue du très gros hockey là, du côté des Voltigeurs. C'est Élodie Colin là, qui reprend, tente une feinte. Remet là, à Brière, qui arrivait à toute vitesse là, du banc des siennes. C'est Boisvert qui a tenté d'intervenir et c'est Clément qui reprendra. Réception difficile et c'est Bazinet là, qui se dirige en zone offensive. Bazinet s'amène derrière le filet, tente de remettre devant vers Saranger. Encore Bazinet, fend l'air. Là, c'est Boisvert qui reprendra. Oui, là, c'était une passe dangereuse à Delorme, mais heureusement, plus de peur que de mal. Passe coupée là, par Lafrenière. C'est Boisvert qui intervient cette fois-ci. On remet à Delorme qui envoie vers Brière. Brière s'amène en zone trifluvienne. Quelque peu arrêté là, par Barry. Delorme reprend donc. Envoie Landry à Brière. Lafrenière intervient et s'amène avec vitesse. On se fait soutirer la rondelle par Brière, mais c'est un jeu collectif, ça. Lozière s'amène en zone offensive. Lozière applique les freins, tente de remettre à Colin, qui ne peut lancer. Et c'est Landry qui récupère la rondelle à la ligne bleue. Arrêt là, de Anne-Marie Loubert, là, somme toute assez facile. Landry qui redirige en fond de territoire, c'est Colin. Et là, on tire de la ligne bleue. C'est Trottier qui intervient. Reason, on est partout là, du côté des Voltigeurs. Il ne reste que 6 minutes 21. On joue avec beaucoup d'intensité et de discipline. Colin qui tente de remettre à l'aveuglette là, à Trottier. Là, et elle sera chassée pour son geste face à Léa Barry. Et là, l'occasion y est là, pour les Diablos. Donc, 2 minutes pour avoir accroché. On entend les huées là, de la foule drummondvilloise, visiblement mécontente de cet appel de l'arbitre. Et un temps d'arrêt là, sera signalé, demandé, là, dirais-je. Les deux côtés là, voudront organiser les stratégies là, pour ce moment important. On voit Jean Rousseau qui transmet les dernières directives à ses joueuses là, pour cet avantage numérique ô combien important. Et Loubert là, semble avoir eu la directive de se tenir prête pour ajouter une sixième attaquante là, du côté de Trois-Rivières. On reprendra à la droite de Belle-Île. Gendron à Cloutier. Et voilà, Loubert est parti. 6 patineuses, dirais-je, du côté de Trois-Rivières. Lancé de Gendron. On tente une passe devant
Et là, c'est Huppé qui... NG, pardon, qui réussit le dégagement. Vous verrez, là, la cage déserte. On y vole tout pour le tout, là, du côté des Diablos pour jouer à 6 contre 4. Boisvert envoie à zone ennemie, fait circuler le disque. C'est Delorme qui sera en premier. C'est Barry qui remet à Cloutier. À Gélina, on envoie devant le filet, coupé par Delorme. On envoie de l'autre côté. Et ça rate le filet de très peu. Cloutier derrière son filet. Remet à Barry qui voudra certainement prendre les choses en main. Barry traverse la patinoire dans son ensemble. Envoie en fond de territoire. C'est Landry là, qui a tenté de dégager, intercepté par Cloutier. Hill qui tente de conserver le disque. Hill toujours remet derrière elle là, à sa coéquipière. À Gendron. Gendron qui remet à Cloutier. Feinte de lancer. Remet à Barry. Tente un tir. Il y a une mêlée devant le filet et on n'ira pas plus loin. On voit là Landry qui s'est jeté derrière la gardienne pour empêcher la rondelle de pénétrer le filet. Là, on voit Barry qui lance la rondelle qui a quand même fait son chemin jusqu'au but. Là, et on voit Landry s'allonger de tout son long là, à la All Gill. Les vrais seront. On reprend du côté, on tente le fameux wraparound du côté de Hill. Et c'est Gendron qui reprendra. Gendron à Barry. Et oh, et on échappe la rondelle. C'est Paul qui a effectué du bon travail. Et le but! Alexandra Paul qui vient marquer un but d'assurance pour les Voltigeurs en filet désert à suite d'une erreur de Léa Barry. Donc là, on voit Léa Barry qui chute sur la glace et avec combativité, Alexandra Paul réussit à marquer le but dans la cage laissée déserte par Anne-Marie Loubert. Mise en jeu au centre de la patinoire et c'est remporté là, par les Voltigeurs. OK. À cette même Paul. Là, c'est Clément qui s'amène en zone offensive. Prend un lancer, bloqué par Bellisle. Ruel tente de dégager son territoire. Saint-Yves intervient. Et là, chute de Ruel. C'est Brière là, qui tentait de poursuivre l'attaque des Saints, mais c'est Lafrenière qui assurera la contre-attaque. Kay qui a tenté de bloquer. Et encore une fois, Océane Bellisle, intraitable. Excellente performance là, d'Océane Bellisle qui a eu à signaler là, en première période. Depuis, c'est beaucoup plus tranquille de son côté. Tir là, de Saint-Louis qui est dévié dans le coin de la patinoire. Marcoux tente de rejeter pour elle-même. Ça ne fonctionne pas. C'est Clément et un lancer puissant de Saint-Louis. Et encore une fois capté par Bellisle. On aperçoit là, Jean Rousseau là, on commence à être à court de solutions là, du côté de Trois-Rivières. Il reste encore 3 minutes 19. On a vu des choses plus folles en ce monde, mais ça sera difficile. Marcoux. Ça mène en zone ennemie. Jusque derrière le filet de Loubert. Et c'est Ben Majoub là, qui reprendra. Ben Majoub tente de remettre.
C'était Blair. Et là, c'est Courteau-Lamotte qui a tenté d'aller chercher 10 avant qu'on signale le dégagement refusé. Mais en vain. 2 minutes 58 à faire. À cette troisième période, à ce match et à ce championnat. Reason face à Riopel. On tente de pousser pour soi-même. On envoie devant le filet. Là, c'était Colin. Là, Ben Majoub reprendra. Dubuc là, vient la défier. C'est Blair là, qui tente de pousser pour elle-même. Ben Majoub à son tour. Et là, dit Colin là, remettra sagement là, à Kehey qui voit sa passe passer tout droit et finir à l'autre bout de la patinoire. Le dégagement est refusé. On reprendra là, à la droite d'Océane Bellil. Reason face à Barry. Barry remporte la mise en jeu. Un lancer là, de Gendron qui est bloqué en défensive. Saint-Yves, Romano qui tente de dégager. Et là, c'est Maxime Colin qui s'amènera à 2-1 avec Dubuc. Maxime Colin lancé sur la jambière opposée. Le retour n'a pas trouvé preneur. Un lancer là, de la part de Landry qui passe à la droite là, de Loubert. C'est Romano là, qui reprendra. Une passe là, qui se voit être quelque peu dévié. Gendron envoie dans la baie vitrée. C'est Lozière qui empêche la rondelle de sortir. Gendron envoie à Lafrenière. Et c'est Lafrenière qui montre le disque. Lafrenière s'amène en zone ennemie. Arrêté par Landry. Ça, qu'elle joue tout un match. Et Paul s'amène en zone offensive. Auteur des deux derniers buts. Un lancer qui a passé en haut de la cage. Et là, c'est l'excellent travail de Boisvert qui remet à NG, qui a compté un gros but là, qui a permis aux Voltigeurs là, de se qualifier pour cette finale et de mener finalement 4-0 dans ce match. Kehey défie l'attaquante du côté des Diablos. Une minute à faire à cette grande finale. C'est Boisvert là, qui tente de remettre au centre. Bazinet là, surveillait le roux. Course jusqu'à la fin de la patinoire de l'autre côté. Gélina tente de remettre pour elle-même avec une habile manœuvre. Bazinet, là, avec une épreuve de force, là, tente de bouger le disque. Et c'est NG qui reprendra. 35 secondes à faire à cette finale. Passe qui ne trouve pas preneur. Elle visait Trottier. Cloutier le reprend. Le 10 envoie de l'autre côté à Saint-Yves. Et là, c'est Boisvert qui reprendra. 15 secondes à faire. On est déjà debout là, au banc. Des Voltigeurs lancés frappés là, du côté de Boisvert en désespoir de cause. 7 secondes à faire. Il y a 2 secondes. C'est fait! Les Voltigeurs de Drummondville sont championnes du Division 2. Et une performance sans faille de l'équipe hôtesse. Alors que hier, on a trimé très dur face aux pionnières du cégep de Rimouski, un adversaire sur papier beaucoup plus faible que les Diablos de Trois-Rivières. Mais bon, le hockey, ça se joue sur la glace, comme on dit. Et donc, cette finale se termine par la marque de 4-0. Et vraiment, là, une victoire avec autorité. Là. On a senti les Voltigeurs nerveuses lors des 10 premières minutes là, de ce match. Et on n'a jamais regardé en arrière depuis.
Et donc, alors qu'on continue là, les festivités là, du côté des Voltigeurs, là, on sent assurément la déception là, du côté des Diablos. Mais bon, un bon esprit sportif là, qu'on voit là, ici, là, alors qu'on se ressource là, entre coéquipières. Donc, faisons place aux cérémonies d'après-match où on remettra les médailles d'or et d'argent aux deux équipes. Pour les Diablos de Trois-Rivières, la numéro 15, Jenny Lafrenière! Donc, Lafrenière qui se voit décerner le titre de joueuse du match. Elle a connu un bon championnat provincial. Et la joueuse du match pour les Voltigeurs de Drummondville, avec un but de passe, la numéro 10, Laurie-Ève Trottier! Et c'est Laurie-Ève Trottier là, qui a le titre là, du côté des Voltigeurs avec un but extrêmement important qui aura brisé l'égalité de 0-0 là, en deuxième période. Elle récolte aussi une passe au passage. Pour procéder à la remise des médailles aux deux équipes, veuillez accueillir chaleureusement le directeur général du Cégep de Drummondville, M. Pierre Leblanc. Accompagné du directeur communication, affaires étudiantes et développement international du Cégep de Drummondville, M. Pierre Vigeant. Nous demandons aux Diablos de Trois-Rivières de bien vouloir s'avancer pour recevoir leur médaille d'argent. Qu'on remet les médailles d'argent, certainement pas celles convoitées du côté des Diablos, mais non pas à rougir de leur performance. Là, elles avaient des Voltigeurs là, en très grande forme aujourd'hui au Centre sportif Girardin. On voit les entraîneurs, l'entraîneur-chef là, Jean Rousseau là, qui... Après une belle saison, on n'aura malheureusement pas pu mener son équipe à la dernière victoire tant convoitée. Une bonne main d'applaudissements aux Diablos de Trois-Rivières! Et maintenant, applaudissez vos champions du championnat provincial 2024 en hockey féminin division 2, les Voltigeurs de leur médaille d'or. Alors qu'on voit les deux gardiennes de but là, qui ont accordé là, un but en deux matchs. Ils peuvent être très fiers de leur performance. Delorme qui a joué un excellent match elle aussi. Paul, bien reprise
après deux pénalités en début de match, deux buts, dont celui d'assurance. Landry, là, qui est probablement l'étoile cachée de ce match, là, elle qui a limité là, la championne le pointeur du circuit là, à aucun point lors de ce match. On voit la deuxième sœur Colin. Donc on donne les dernières médailles. L'entraîneur adjoint Sébastien Charpentier et l'entraîneur-chef Éric Langlois. On va inviter maintenant les deux équipes à se rejoindre au centre de la glace avant de se donner la main. Alors qu'on effectue la traditionnelle poignée de main, on voit là, tout le respect là, entre ces deux équipes là, qui ont croisé le fer au sommet de la Ligue pendant toute la saison. On pense toujours aux finissantes là, qui terminent leur saison et leur carrière collégiale avec ce championnat. Alors, les dernières joueuses des Voltigeurs quittent les poignées de main. Là, on voit les entraîneurs des deux équipes là, échanger les politesses. Un excellent duel qui a été agréable à regarder pour tous les spectateurs, j'imagine. Et là, on remettra la bannière de champion là, qui viendra s'ajouter à celle dont on voit tout au haut là, du directeur général du Cégep. Demandons à la capitaine et aux assistantes des Voltigeurs de venir récupérer leur bannière de championne provinciale. Célèbre en équipe là, du côté des Voltigeurs l'obtention de la bannière. Ils sont couronnés là, championnes pour une deuxième année consécutive. Et on s'affairera là, autour de la glace traditionnelle à la suite là, d'un championnat. Sur la fin de la fameuse chanson « We are the champions », on prend la traditionnelle photo de champion avec un 2 qu'on voit dans les mains pour deux championnats consécutifs. Où on
pourrait l'interpréter aussi pour V pour victoire. Donc, c'est ce qui complète notre couverture du championnat provincial collégial. Tiens, une fois de plus à féliciter nos deux équipes et à vous remercier pour votre présence à ce championnat. Bon retour à la maison et à l'an prochain pour la 4e saison de la Ligue collégiale de hockey féminin Division 2. Et voilà, sur cette magnifique photo remplie de sourires, c'est ce qui complète notre couverture là, du championnat provincial collégial de hockey féminin Division 2. Au nom de toute l'équipe à la diffusion, un gros merci à vous tous d'avoir été à l'écoute et on se revoit l'année prochaine pour une 4e saison de ce circuit. Merci à tous.